Moi, c'est Peppa Pig. Lui, c'est mon petit frère George. Voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa. L'armoire à jouets. C'est l'heure de se coucher pour Peppa et George. Oh, ça alors? Pourquoi tous ces jouets sont sur votre lit? C'est là qu'ils habitent. Allez, vite, mettez tous vos jouets dans votre panier à jouets. Mais le panier à jouets est déjà plein. Oh, mais c'est vrai ça. Il nous faudrait une armoire à jouets. Oui, je pourrais en fabriquer une demain. La dernière chose que tu as fabriquée, c'est cette étagère. Je suis très fière de cette étagère. Mais papa, elle est toute bancale. On s'en sert de toboggan pour Teddy et Monsieur Dinosaure. Bon, d'accord. On va acheter une nouvelle armoire à jouets. On peut en acheter une tout de suite en commandant sur Internet. Maman Pig utilise l'ordinateur pour acheter une armoire à jouets. Ah ah! Alors, laquelle allons-nous choisir? On peut avoir celle-là, s'il vous plaît? Elle me semble parfaite. Maman Pig achète l'armoire à jouets. Félicitations! Votre armoire à jouets est commandée. Oh, chouette! C'est le matin et Monsieur Zebra, le facteur, a une livraison très spéciale. Le courrier! Livraison spéciale pour Mademoiselle Peppa Pig et Maître George. Qu'est-ce que ça peut être? Une armoire à jouets. Ah, elle a l'air toute plate. Oui, c'est à monter soi-même. Ah! Ne t'inquiète pas, Peppa. Ce sera très facile pour ton papa et ta maman de la monter. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on monte votre armoire à jouets. Oui. C'est bizarre. Il n'y a pas de mode d'emploi. C'est peut-être tellement facile à monter qu'il n'y a pas besoin de mode d'emploi. Maman, on peut vous aider? Mais oui. D'abord, il me faut une étagère. En voilà une verte. Merci, Peppa. Et j'ai besoin de 4 pieds. 1, 2, 3, 4. 4 pieds bleus, maman. Très jolie. Elle sera faite en un rien de temps. Tiens, une porte rouge, Maman Pig. Merci, Papa Pig. Et voilà, terminé. Eh bien, bravo, Maman Pig. Mais elle est toute petite. Comment tous nos jouets vont tenir dedans? C'est vrai qu'elle est un peu petite. Oh, George a trouvé un autre morceau. C'est peut-être une étagère en trop. Mais il y a aussi tous ces morceaux. Oh mince, l'armoire à jouets est minuscule parce que Maman Pig n'a pas utilisé tous les morceaux. Il va falloir la démonter et tout recommencer. Oh non, si seulement on avait le mode d'emploi. Qui ça peut bien être? Bonjour, je viens de trouver ça dans ma camionnette. C'est le mode d'emploi qui nous manquait. Ça va nous faciliter les choses. Hourra! Le mode d'emploi a l'air très compliqué. C'est mal fait. Ça ne veut rien dire. Laissez-moi faire, Papa Pig. Ça m'amuse beaucoup, ce genre de jeu de construction. C'est vrai? Et comment peut-on vous aider? En mettant de l'eau à bouillir, je prendrai bien une tasse de thé. Avec 6 sucres, s'il vous plaît. Toute la famille prépare du thé et des biscuits pour Monsieur Zebra. Le thé est prêt, Monsieur Zebra. Waouh! Monsieur Zebra a entièrement monté l'armoire à jouets. Bonté divine, c'est du rapide. Oui, et j'ai même rangé tous vos jouets dedans. Merci, Monsieur Zebra. Et ces deux-là, alors, il n'y a plus de place pour eux? Pauvre Teddy, pauvre Monsieur Dinosaure, où est-ce qu'ils vont habiter? Pourquoi ne pas commander une autre armoire à jouets? C'est si facile à monter. Non! Je crois que j'ai une bien meilleure idée. Teddy et Monsieur Dinosaure peuvent habiter sur votre lit. Mais maman, c'est là qu'ils habitaient avant. Oui, je le sais, et c'est pour ça que c'est une si bonne idée. Le camping. Peppa et ses amis vont faire du camping. Madame Gazelle,
Je me sens pas très bien. Ça secoue trop dans ce bus. Oh mince, Pedro Pony a mal au cœur en bus. Pauvre Pedro, viens t'asseoir à l'avant, avec moi. Voilà, ça va mieux maintenant? Un petit peu mieux. Madame Gazelle? Zoé, toi aussi tu as mal au cœur? Non, mais j'ai peur d'être malade tout à l'heure. Je peux venir m'asseoir devant, au cas où? Est-ce que je peux venir m'asseoir aussi devant? Et moi? Oh, désolée les enfants, mais vous ne pouvez pas tous venir vous asseoir devant. Oh! Ce n'est pas grave, on arrive au terrain de camping. Joyeux camping tout le monde. Voici notre terrain de camping. Respirez l'air pur les enfants, emplissez vos poumons. Excellent souffle. Maintenant, nous allons monter les tentes. Peppa et ses amis sont en train de monter leurs tentes. Les enfants, chacun doit trouver un partenaire pour partager une tente. Dis, Suzy, on partage la tente? Mais... J'ai dit que je la partageais avec Zoé. Oh, désolée, Suzy. J'ai dit que je la partageais avec Rebecca. Rebecca, t'as dit que tu la partageais avec moi. Oui, c'est vrai. Mais... Émilie, avec qui tu vas partager ta tente? Zoé. Oh oui. C'est bon. Alors tu peux la partager avec moi? D'accord. Maintenant, je veux des branches pour faire un joyeux feu de camp. Ouais, on va chercher des branches. Mais Pedro et moi, on voulait aller chercher les branches. Oh oh, vous n'avez qu'à tous aller chercher des branches. Peppa et ses amis vont ramasser des branches pour le feu de camp. C'est grandiose. La nuit est tombée. Peppa et ses amis sont assis autour du feu de camp. Les enfants, on va tous chanter une chanson. Oui, la Bing Bang Song, s'il vous plaît. Oh, je ne suis pas sûre. S'il vous plaît, Madame Gazelle, chantez la Bing Bang Song. D'accord. Ouh, on gratouille les cordes en chantant la chanson. Ça fait bing et puis bang et puis bing. Bang, bing, boum, bing, bang, bing. Bing, bang, bing, bing, bang, bing, boum. Les enfants, c'est l'heure d'aller au lit. Bonne nuit, les enfants. Bonne nuit, Madame Gazelle. Peppa et Suzy sont dans leur sac de couchage. J'ai une lampe de poche. Moi aussi. Votre attention, les enfants. Plus de ricanements, s'il vous plaît. C'était quoi ce drôle de bruit? Je n'en sais rien. Ça y est, ça recommence. Suzy, tu vas où comme ça? Madame Gazelle, j'ai un petit peu peur. Oh, tu veux venir dans ma tente? Je veux bien. Madame Gazelle, je crois que j'ai aussi un peu peur. Je peux venir, s'il vous plaît? Bien sûr. Je sens que je vais avoir un petit peu peur tout à l'heure. J'ai peur d'avoir peur, moi aussi, tout à l'heure. Moi aussi. Tout le monde dans ma tente. On peut faire la Bing Bang Song, s'il vous plaît? D'accord. On gratouille les cordes en chantant la chanson. Ça fait bing et puis bang et puis bing. Peppa et sa famille empruntent le bateau de Papy Pig pour la journée. N'oublie pas, Papa Pig, pousse le levier en avant pour aller en avant. Aïe aïe, Papy Pig, en avant. Et tire pour aller en arrière. En arrière, c'est simple. Et pitié, prends soin de mon bateau, je viens juste de le repeindre.
Oh, Papy Pig, quel vieux tatillon tu fais. Mon équipage est prêt? Oui, capitaine Papa Pig. Alors, en route. Oh, le bateau va à reculons. Ah, attention, il y a le pont. Oups. Oh, c'était moins une. Au revoir. Au revoir. Amusez-vous bien. J'espère que mon bateau reviendra en un seul morceau. Cesse de t'inquiéter, tout ira bien. Peppa, sonne la cloche. Aïe, aïe, capitaine Papa. J'ai un petit peu faim. Moi aussi. Papy nous a mis un pique-nique dans la coquerie. C'est quoi la coquerie? La coquerie, c'est la cuisine du bateau. Suivez-moi. Peppa et George descendent à l'intérieur du bateau. Quelle minuscule petite cuisine. Où est le pique-nique? L'endroit le plus évident serait là. Ça, ce n'est pas un pique-nique. Alors, il doit être ici. Et ça, ce n'est pas un pique-nique. Cette cuisine est vraiment rangée n'importe comment. Waouh, une télé! Papa Pig n'arrive pas à trouver le pique-nique. Ce n'est pas possible. Si c'était ma cuisine, le pique-nique se trouverait là. Oh, bravo, Peppa. Peppa a trouvé le pique-nique. C'est délicieux. Oh, les canards! Bonjour, Madame Duck. Voulez-vous du pain? Peppa et George adorent donner du pain aux canards. Attention, roseau en vue. Pas de panique, le bateau de Papy passera facilement à travers. Nous sommes coincés? Non, on peut reculer. Là, on est coincé. Oui. Oh mince, le bateau de Papy Pig est bloqué dans les roseaux. Je vais descendre et le pousser un peu. Fais attention à toi, Papa Pig. Je sais très bien ce que je fais. Quand je dis feu, allume le moteur. Aïe, aïe, capitaine Papa Pig. Feu. Papa Pig a poussé le bateau hors des roseaux. Vite, Papa. Saute sur le bateau. Oh non, Papa Pig ne rattrape pas le bateau. Nage plus vite, Papa Pig. Coupe le moteur. Qu'est-ce qu'il a dit? Coupe le moteur. Papa a dit coupe le moteur. Oh. Est-ce que ça va, Papa Pig? Oui, ça va. Mais naviguons vers la maison avant qu'il ne nous arrive d'autres mésaventures. Aïe, aïe, capitaine Papa Pig. Ça fait des heures qu'ils sont partis. J'espère que mon bateau est entier. Regarde, les voilà qui reviennent. Coucou. Je vais garer le bateau. On gare une voiture, mais on amarre un bateau. Je vais te montrer. Papy Pig va amarrer le bateau. Le secret de l'amarrage, c'est de le faire très délicatement. Attention au pont. Quoi? Derrière toi, le pont. Oh, ce n'est pas ce que j'avais l'intention de faire. Papy a cassé son bateau. Ce n'est pas grave, Papy. Tu vas encore plus t'amuser à le réparer. Tu as raison, j'adore réparer les objets. Je peux t'aider à réparer le bateau, Papy? Mais avec plaisir, Peppa.